Coucou, cela fait maintenant plusieurs mois que tu suis Max et Kenny dans leur quotidien en agence. Tu as pu constater de leur sympathie et de leur bonne humeur. Et c'est d'ailleurs de ces valeurs humaines dont il va être question aujourd'hui. Est-ce que l'humain reste quand même essentiel? L'humain va être essentiel pour tout ce qui est opération un peu plus complexe, tu vois. Le banquier, c'est pas uniquement le banquier qui est derrière son bureau avec sa cravate. Il est censé être là pour aider les clients dans la gestion des comptes, même si... Le banquier, c'est quelqu'un qui va accompagner le client tout au long de la relation. La connaissance client va être importante. On s'en proche de nos clients. L'objectif, c'est de les écouter et de répondre à leurs besoins du mieux possible. Plus on va dans le temps, plus l'ensemble des établissements bancaires font en sorte de faciliter quand même la gestion des comptes par les applications. D'ailleurs, la Caisse d'Épargne a lancé son application Banxo qui te permet de visualiser l'ensemble de tes comptes bancaires. Puis aussi, c'est tout un tas de valeurs humaines au sein de l'entreprise, que ce soit le respect, ça va être le respect des collaborateurs, comment traiter le management, les différents collaborateurs, qu'il y ait une bonne ambiance dans l'entreprise. On s'engage pendant toute la vie de la relation avec le client. On fait partie de la vie de nos clients, on pourrait dire qu'on est un facilitateur de vie. C'est beau. Ah, merci les gars pour nous avoir partagé toutes ces belles valeurs humaines qui sont importantes à votre métier. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao !